cassé, toujours cassé. Mais nous, quand est-ce qu'on se casse? Ben moi, j'aime bien ça, tailler les cailloux. Mmh. Oh, un cinquième Dalton, ça doit être un cousin du pôle Nord, il est tout pâle. C'est nul! Tu ferais mieux de chercher un moyen de nous faire évader plutôt que de sculpter des trucs aussi. Sublime! Quelle sensibilité! C'est vous qui avez fait ça, Avril? Oui! Je l'ai baptisé le Minus de Milo. Ah! Tu vas voir comment je vais le rebaptiser, moi, ton chef-d'œuvre! Il faut absolument qu'Avril expose ses œuvres en ville! Son talent doit pouvoir s'exprimer en toute liberté! Liberté! Mais ça sent bon, ça! Vous croyez? Certes, je décèle une certaine talentitude, mais... Miss Betty a raison! Avril est rudement doué, je l'ai toujours dit! Ah bon? Je croyais qu'il le trouvait nul! C'est vous, les nuls! J'ai un plan! On prend la place des sculptures et on se fait la malle pendant l'expo! Capiche? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, je vois déjà les gros titres. L'ingénu génie du génial pénitencier. J'adore. J'adhère. Fantastique. Il ne reste plus qu'à vous mettre au travail, monsieur l'artiste. Hé, oh! On bouge pas! C'est magnifique! Oh, vous êtes vraiment un grand artiste, monsieur Avril! Encore des cousins venus du froid! Chic! Allons les accueillir dignement! Ah, pourquoi il reste de marbre? Abîme pas le matos, toi! C'est sûrement une coutume esquimo pour souhaiter la bienvenue! Allez, il est temps de passer à la phase 2! Allez, Picasso, peins-nous maintenant! D'accord, Joe. Tu veux quel profil? Mais non, imbécile! Peins-nous en gris comme tes sculptures! Contre lui, toi! Hein? Oh? C'est pas compris! Ok. Surtout, bougez pas. On est des statues. C'est vraiment très ressemblant. T'as raison, c'est presque aussi moche que l'original. Ils rentrent déjà. Dommage, on saura jamais pourquoi ils étaient aussi froids. Cette histoire de réinsertion grâce à l'art, c'est un véritable conte de fées. Conte de fées? Ça y est, j'ai tout compris. Un méchant sorcier a dû leur jeter un sort et les a transformés en statues. Vite, il faut que je leur fasse un baiser pour les réveiller. Même si je dois traverser le désert pour les retrouver, je les sauverai. Et la privilégie de vous présenter un immense artiste dont le talent a émergé dans l'excellent établissement dont je suis le directeur. Mesdames et messieurs, voici Avril Dalton. Je voudrais dire merci à mes frères sans qui je ne serais pas là, ainsi qu'à ma mère, Madalton. Abrège, on va pas y passer la journée. Sergio, Brian, Robert, Mo... Dépêche, imbécile. À présent, je vous invite tous à découvrir ces magnifiques œuvres avant de faire un petit tour au buffet de ce côté. C'est ça, goinfrez-vous. Nous, on met les voiles. Avril, on y va. Avril! Oh, mais quel boulet! Alors, Avril, quelle sera votre prochaine œuvre? Je suis sûre que vous avez une petite idée derrière la tête. Avril, on file! Déjà? Mais Joe, j'ai pas terminé mes petits fours! Comment? Vous voulez entièrement redécorer la cour? Mais c'est une excellente idée! Je vais de ce pas en parler au directeur. C'est bon, Joe! J'ai fait le plein! On peut y aller! Hé, ne partez pas si vite! Ce monsieur voudrait vous interviewer pour son journal. Votre sauveur est arrivé. Ah, les voilà! Ça marche pas, essayons l'autre. Dès que monsieur l'artiste aura fini son interview, on met les mots. Mon inspiration?
Eh ben, elle vient de mes poumons, comme à la gym. Inspirez, expirez. Un, deux. Ces artistes, quelle imagination. Vous ai-je déjà parlé de ces nouvelles mesures concernant les activités culturelles? Suis-le, l'artiste, ou je te refais le portrait façon Picasso. Toujours pas. Tiens, il en reste là-bas. Je vais essayer une dernière fois. À nous la liberté, les gars. Lâche-moi. Les Dalton s'évadent. Attrapez-les. Bouge de là. Allez, on se tire. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus bouger. Attendez-moi. Aïe. Pas de bol, les Dalton. Vous avez confondu la peinture avec du ciment à prise ultra lente. Ah, Avril, encore un nouveau chef-d'œuvre. Il ira très bien avec ma nouvelle collection. Avril, au secours, j'ai besoin de me gratter.